Nous sommes au Congo, à Kinshasa, pour vous parler d'une des maladies les plus émergentes au monde, le diabète. Vous serez peut-être étonné que l'on vous parle du diabète dans un pays en difficulté économique importante. Cependant, cette maladie touche de plus en plus la population pauvre dans les pays en voie de développement, et principalement dans les grandes villes, comme ici, à Kinshasa. L'augmentation de la prévalence du diabète dans ces grandes villes est le résultat d'une modification de la manière de vivre. Premièrement, l'amélioration des conditions de vie, l'apport en eau courante, l'évolution des transports en commun et diverses technologies occidentales ont réduit de manière considérable la quantité des dépenses énergétiques des Quinois. Deuxièmement, les Quinois, en raison de leur situation économique, se tournent quotidiennement vers les aliments les moins chers. Les aliments les moins chers, dans la mondialisation, étant le pain et les boissons sucrées, aliments dépourvus de fibres, de protéines et de vitamines, leur régime alimentaire s'avère de très mauvaise qualité. Ajoutons à cela des habitudes locales de préparation culinaire riches en huile, et vous avez l'explication de l'augmentation de la prévalence du diabète. Le diabète est une maladie qui continue pendant toute la vie, ça c'est vrai. Mais elle a ceci de particulier, c'est que si la personne atteinte se soigne bien, il est prouvé et il est absolument certain qu'elle peut se mettre à l'abri de la majorité des complications pendant une grande partie de sa vie. Oui, ici, nous sommes à la salle d'urgence de l'hôpital Saint-Joseph. Nous venons de recevoir ce matin notre patiente, Mademoiselle Ford Patricia. Elle est diabétique depuis 4 ans déjà, suivie chez nous, mais il s'est passé, je pense, tout un semestre qu'elle ne nous a pas consulté. Et voilà que ce matin, on l'amène. Elle était en coma, elle vient juste de se réveiller. La respiration est encore anormale. Oui, le diabète peut rendre aveugle. Ça arrive souvent, parce que c'est une des premières causes de cécité chez les personnes adultes dans des pays occidentaux. La lésion la plus dangereuse et la plus importante, c'est la rétine. On parle alors de la rétinopathie diabétique. Et cela arrive après une durée d'évolution de la maladie. C'est pourquoi les patients doivent venir régulièrement se faire examiner les yeux. Comme vous venez de le voir, le diabète peut entraîner bon nombre de complications. Une autre complication à laquelle médecins, infirmiers et diabétiques doivent apporter une attention toute particulière, c'est les pieds diabétiques. Une complication qui, comme les autres, peut créer d'importants dégâts si elle n'est pas suivie de près. Je voudrais vous raconter comment le programme pour la prise en charge des diabétiques a commencé à Kinshasa. C'était en 1974 à l'hôpital général, appelé autrefois l'hôpital Mamayemo. Cet hôpital fonctionnait extrêmement bien et nous avons vu arriver de nombreux malades atteints de diabète, hospitalisés en commun. Mais malheureusement, ces malades revenaient régulièrement avec les mêmes problèmes. Nous avons donc senti le besoin de les former, de les éduquer pour éviter d'avoir toujours les mêmes symptômes qui revenaient. Et c'est là le début du programme. Mais comme la ville grandissait, comme aussi le nombre de malades grandissait, il a fallu décentraliser. Et à ce moment-là, nous avons cherché des collaborations et nous avons trouvé de très bonnes collaborations. D'une part à l'Armée du Salut et d'autre part au Bureau des œuvres médicales catholiques. Cette décentralisation s'organise autour de 4 hôpitaux et centres de référence. Dans ces différents établissements, un médecin expérimenté reçoit les malades et guide leur traitement. Autour de ces 4 pôles s'articule une 50aine de centres de soins de santé dispersés dans la ville de Kinshasa, où un infirmier encadre et assure le suivi du malade. Si les moyens mis à sa disposition sont insuffisants pour traiter le malade diabétique correctement, celui-ci est dirigé vers un des 4 centres de référence.
notre action pour le diabète, nous les comprenons comme étant une action sociale d'abord. Les structures du Bédéum sont situées dans les endroits périphériques où la population n'a pas beaucoup de moyens, beaucoup de possibilités financières. C'est par là que nous avons pu placer la grande partie de nos structures. Le diabète, comme toute autre maladie chronique, c'est une maladie qui coûte cher. Et vous savez, dans notre pays, la situation difficile que nous sommes en train de traverser jusqu'à nouvel ordre, où les structures de formation médicale sont presque financées par le malade qui consulte. Alors nous avons pris quand même des dispositions. Actuellement, par exemple, pour une visite qui peut couvrir un mois, donc pour une prise en charge d'un mois, le malade paye un montant de 500 francs congolais, qui équivalent à un dollar presque. Donc pour un mois, pour tout problème qui peut arriver par rapport à son diabète, il peut rentrer au centre mille et une fois, mais s'il a payé son un dollar, ça suffit pour qu'il soit pris en charge. Cette prise en charge comprend tout d'abord le dépistage de la maladie, ainsi qu'une importante surveillance médicale. Pour surveiller un diabète, nous devons surveiller différentes choses. Nous devons surveiller tout d'abord les symptômes. Et la personne doit connaître les symptômes de l'hyperglycémie, donc une glycémie trop élevée, et de l'hypoglycémie. Par exemple, une hypoglycémie, la personne commence à transpirer. Par contre, une hyperglycémie, il va vous dire « j'ai la langue sèche, je suis déshydraté, j'urine tout le temps ». Donc, il faut avoir des moyens pour vérifier cela. Nous avons beaucoup de chance parce que depuis quelques dizaines d'années, depuis 20 ans, nous disposons de tout petits appareils qui permettent de prélever du sang au bout du doigt. Et ce sang prélevé une goutte au bout du doigt, lu par l'appareil, qui lit un petit courant électrique, fait que nous savons si la glycémie est trop élevée ou pas assez élevée. Et d'après ces chiffres, on guide le traitement. Bon, ici, nous sommes en train de faire une consultation de routine. Nous, dans nos centres, comme hier nous l'avons dit, nous avons un suivi qui est presque permanent. Et chaque patient est affecté dans les centres les plus proches de son domicile pour un meilleur suivi. S'il a des problèmes, nous pouvons modifier son traitement. Et voilà un peu ce que nous faisons dans nos consultations de routine. Donc le papa ici présent devant moi, lui n'a pas de problème. Ce qui fait que nous reconduisons son traitement, puisqu'il ne s'en plaint pas et il est bien dans ce traitement-là. Je vous présente notre plus jeune patient. J.R. a 4 ans et il est diabétique depuis presque un an. Il est évident que soigner un enfant diabétique aussi petit, pour des parents qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est véritablement une gageure. Grâce à l'aide de beaucoup de personnes, nous avons pu lui offrir un appareil à glycémie et même un téléphone pour nous appeler quand il y avait un problème. Mais ce matin, J.R. a fait une hypoglycémie. Mais ça s'est bien passé parce que la maman l'a bien soigné. Donc, nous faisons tout notre possible pour soigner notre petit garçon et pour aider les parents à le faire. En plus d'avoir créé la pyramide des soins de santé et d'assurer le suivi de ses patients, la VDC s'attaque à la source du problème en éduquant ses malades dans le but de les rendre autonomes. Nous avons aussi pour principe de favoriser l'éducation des malades. Il est clair que quelqu'un qui est diabétique pour la vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit lui dire. Nous n'allons pas le guérir, mais nous allons l'aider à affronter sa maladie et l'aider à surmonter et à maîtriser sa maladie. Et ça, nous le faisons avec toute une équipe qui donne un enseignement, qui lui parle, qui lui explique, qui lui raconte ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, lui dit ce qu'il peut manger, lui demande comment prendre ses injections, comment se comporter, comment assurer les soins d'hygiène, etc., etc., etc. Le diabète est difficile pour tous ceux qui veulent, pour tous ceux qui ne comprennent pas les instructions des médecins. Donc, ils vont trouver que le diabète est difficile. Mais si vous suivez les instructions des médecins, vous allez bien vivre avec le diabète.
après, vous voyez, ah, maman est en diabète, maman est en diabète. Je m'occupe des jeunes diabétiques. Trois fois par semaine, le lundi, le mardi et le jeudi, nous faisons la consultation. Nous faisons la glycémie et la glycosurie et l'éducation. Surtout l'éducation, parce que les jeunes enfants, souvent, ils vont à l'école, doivent apprendre à tester les urines à la maison. C'est ce que nous faisons trois fois par semaine. C'est ma fille est diabétique depuis 10 ans. Maintenant, elle a 16 ans. Dans un premier temps, c'était difficile, même pour moi, même pour toute la famille. Maintenant, on s'est adapté, ça va bien. On l'encadre bien, on la soutient, on la réconforte. C'est une maladie qui arrive, comme toute maladie. Il suffit de se prendre en charge, hein, de suivre les conseils de médecins, faire attention à ce qu'elle mange, faire attention à ce qu'elle fait, la conscientiser, la soutenir. Voici notre ami Lepa. C'est le dessinateur, c'est lui qui conçoit tous les dessins qui servent au matériel éducatif. Comme vous le savez, beaucoup de nos malades ne peuvent pas lire, ne sont pas capables de lire, et nous avons besoin de beaucoup d'illustrations. Puis nous avons un imprimeur, et grâce à cette équipe, nous avons réalisé tout un ensemble d'ouvrages éducatifs. Et croyez-moi, c'est encore beaucoup plus important que n'importe quel médicament et que n'importe quel traitement. C'est de l'investissement à long terme dans le travail d'accompagnement des malades. Moi ici, je suis diabétique. C'est depuis longtemps que j'étais venu ici chez Madame Desclerc. Il m'a eu à charge de me soigner. Après avoir me soigné, il m'a donné le charge de vente des livres. Il m'a donné encore le charge d'aller vendre du serin pour les diabétiques avec le secret gym. C'est ça mon métier que je suis en train de faire ici. Il semble, d'après des études faites par des professeurs d'université, que 5% de la population adulte de Kinshasa serait atteinte de diabète. Je ne veux pas dire qu'ils ont besoin d'insuline, mais ils ont besoin de conseils. Mettons que la population adulte soit de 4 millions, c'est à peu près ça. 5% de 4 millions, ça fait 200 000 personnes. Donc, ça voudrait dire que 200 000 personnes auraient besoin de conseils préventifs pour éviter de développer des complications. Dans le programme que je dirige depuis pratiquement maintenant 30 ans et un peu plus, j'ai vu en tout, à peu près 22 ou 23 000 nouveaux cas. Ça ne fait pas encore le compte. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de monde qui n'est pas soigné et qui n'est pas diagnostiqué. Donc nous avons encore un long chemin à parcourir, mais nous savons que nous sommes déjà sur la route, que nous avons déjà accompli les premiers pas.